Visite ministérielle sur la métropole lilloise. Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation, mais aussi de l'économie numérique, est venue rencontrer Martine Aubry. Les deux femmes ont signé la première convention intitulée France Très Haut Débit, qui promet d'ici 10 ans le déploiement de la fibre optique partout en France. Cet engagement entre l'État, la métropole lilloise et deux opérateurs va donc permettre d'étendre la rapidité de connexion, la 3G, puis maintenant la 4G. La technologie avance et vite. Désormais, les derniers mobiles peuvent surfer plus rapidement sur Internet. L'idée est également de faire venir le haut débit dans les villes rurales qui, à l'heure actuelle, sont en retard par rapport aux grandes villes. Plus de précisions avec Michel-François Delannoy. Demain, et dans un délai court, puisque ça veut dire que d'ici 2020, toutes les familles, tous les foyers de la métropole lilloise, qu'on soit dans une petite commune ou dans une grande, seront raccordés de la même manière et au même prix pour le particulier, c'est-à-dire pas plus de 300 euros, donc au très haut débit. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que finalement les habitants jusqu'alors pouvaient avoir ou non accès au meilleur débit, hein, et grâce à ce dispositif, chacun aura accès donc aux meilleures performances pour avoir accès à tous les services.